Alors, le Congo central lutte contre la troisième vague de la pandémie à coronavirus, mais également contre certaines maladies dites de main sale. La Ligue des jeunes de l'FDCA de cette province poursuit sans désemparer sa campagne de sensibilisation de vendeuses de différents lieux de négoce de la province. Après le marché Rwandu à Matadi, cette organisation des jeunes de l'FDCA, dirigée par Cédric Ntsimba, s'est rendue cette fois-ci dans la ville de Boma. Elle y a procédé à la distribution de masques et gels hydroalcooliques. On écoute ce reportage de Dani Simbadio. Tout a commencé au siège de la Fédération de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliés FDCA Congo central, située sur la route de Kinshasa dans la commune de Matadi, où les présidents et coordonnateurs provinciaux de la Ligue des Jeunes de ces regroupements politiques, cher au speaker de la Chambre haute du Parlement, honorable sénateur Modeste Bahati Lukebo, a procédé avant le départ à une séance de briefing à tous les jeunes de la Ligue qu'il dirige de main de maître. Ingénieur Cédric Timbabwanga a par la suite remis à chacun de ses camarades de la Ligue urbaine de Matadi un t-shirt et un masque à l'effigie de l'autorité morale et au motif du parti. Puis est intervenu l'embarquement dans les différents chariots automobiles disponibilisés pour la circonstance. Destination finale, la ville portuaire de Boma. À leur arrivée, les présidents et coordonnateurs provinciaux de la Ligue des jeunes de l'AFDC à Congo central ainsi que toute sa délégation sont accueillis à l'entrée de la ville par leurs camarades de la Ligue urbaine de Boma conduite par Dr Blaise Mbwengi. Du coup, un carnaval motorisé sillonnant quelques principales artères de Boma est improvisé. Les marchés Olankangu et Dumbi, deux lieux de négoce les plus fréquentés par les Bomatraciennes et les Bomatraciens, sont leurs cibles. Ici, ingénieur Cédric Timbabwanga ainsi que ses camarades de Matadi et de Boma ont distribué masques et gels hydroalcooliques aux vendeuses de ces marchés tout en leur expliquant le bien fondé de ces gestes modestes mais combien significatifs car il répond à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la riposte contre la troisième vague du coronavirus. Ingénieur Cédric Timbabwanga explique les mobiles de cet acte. En fait, nous étions à Matadi avec vous, nous avons distribué des masques et des gels hydroalcooliques. Et nous avions promis que nous serions à Boma. Nous sommes venus à Boma dans le cadre de notre itinérance. Nous sommes venus donner les varices. Nous avons effectué une rencontre sportive entre la Ligue des jeunes de l'FDC Matadi et de Boma. Et après, nous avons continué avec notre activité de la distribution de masques et de gel hydroalcooliques. C'est donc dans ce sens-là que nous sommes venus ici. Et cela par rapport à notre cahier de charge, à notre caneva. C'est aussi pour nous l'occasion de faire l'itinérance dans la province du Congo central étant que coordination provinciale. Bien avant, un match de football loisir a opposé les jeunes de la Ligue urbaine de Boma à ceux de Matadi. Une rencontre qui s'est soldée par un score de 3-0 en faveur des jeunes de la Ligue de Boma à qui le président et coordonnateur provincial de la Ligue des jeunes de l'AFDC à Congo central a d'ailleurs remis une enveloppe, un jet complet de varèche pépin neuf et un ballon. Question pour ingénieur Cédric Timbabwanga de promouvoir les activités sportives au sein de cette ligue comme pour dire un esprit sain dans un corps sain.